Ben bon matin, jour 17. On est arrivé hier à Palomino. On est allé manger une pizza, on est allé visiter la plage. Après ça, on est revenu à notre chambre. Clairement, Lolita, son virus n'y est pas encore passé. On est content qu'on a réussi à se rendre, faire la ride d'autobus de 2 heures. Dès qu'on est arrivé à la chambre, là, ses problèmes y ont recommencé. Donc, on va espérer qu'aujourd'hui, ça va bien aller. On va prendre le déjeuner gratuit. Je dis toujours gratuit, mais dans le fond, on a payé pour, c'est juste inclus. Ça veut juste dire qu'on en a plus pour notre argent. Comment tu vas, matin? Toujours le même déjeuner, presque, mais il a l'air bon ici. Le déjeuner est intense. On a des fruits, des céréales, du lait. Les gens de l'hostel sont vraiment, vraiment gentils. Ils ont acheté à Lolita une bouteille de Pédialyte pour l'aider à se rétablir de son virus. Ça fait combien de temps on vient de déjeuner? Puis sérieusement, là, je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment fatigué encore. Si jamais l'énergie le permet, je vais peut-être louer une planche de surf puis aller m'essayer sur les vagues. Sinon, là, aujourd'hui, on va aller regarder la plage. Fait qu'hier, quand on est allé à la plage, on avait nos souliers, nos bas. Là, on est en maillot de bain, la crème solaire, des gogoons, on est équipé. On est prêt. Ah, il a l'air d'avoir pas mal moins de monde à cette heure-ci. Il est 1 h de l'après-midi. Fait que plus on s'éloigne, plus c'est tranquille. Bon, là-bas, il y avait beaucoup de vendeurs, là, il y en a de moins en moins. Les vagues sont vraiment intenses. C'est vraiment fait pour faire du surf ici. Se baigner, à ce qui paraît, ça peut être assez dangereux, dépendamment des conditions. On s'est trouvé une place pour s'asseoir. On a fait bien des trucs super le fun, mais là... Je pense qu'on va prendre un 4-5 jours ici à juste relaxer. Parce qu'après ça, l'aventure recommence. Vu que Lolita a encore l'estomac sensible, on va manger à la bakery un focaccia avec un jus de fruits. Lolita a pris un jus d'ananas, puis moi j'ai pris un jus de sursop au guanabana, qui est un fruit qui existe seulement en Équateur puis en Colombie. C'est le moment véridique. Hey, c'est super bon! Wow! Il y a une possibilité que ce soir on retourne dehors pour aller se prendre quelque chose à manger, mais il y a aussi une forte possibilité qu'on se couche, fait que je vais tout de suite vous souhaiter bonne nuit. Si jamais ben je ressors de nulle part, ben ça veut dire qu'on est on, la soirée s'est continuée finalement, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va se coucher tôt ce soir. Demain, il y a des bonnes chances qu'on loue peut-être une planche de surf pour 1 heure. C'est 30 000, fait qu'à peu près 12 $. Fait que anyway, on va continuer à se reposer puis on se revoit demain. Ciao! Fait que finalement, je suis allé faire quelques achats pour être sûr qu'on n'ait pas faim cette nuit, incluant un cornet. Pas mauvais.